Bonjour, c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très heureux de vous accueillir sur mon premier let's play. Alors ce let's play est un peu particulier parce qu'il va inaugurer une nouvelle section que j'ouvre dans laquelle je mettrai les jeux qui m'ont le plus marqué et qui ont laissé une trace à mon avis dans l'univers vidéoludique et auprès de vous. Donc on va commencer. Alors, donc ce jeu, bah vous l'aurez compris, c'est Dead Space. Alors, j'ai choisi Dead Space parce qu'il est actuellement gratuit sur Origin et qu'il y a donc une petite actualité. Donc, si vous le souhaitez, si vous ne le possédez pas ou si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de vous rendre sur Origin, de l'ajouter à votre panier où il sera facturé 0€ jusqu'au 8 avril. Et je vais vous laisser regarder l'introduction qui va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Alors, je tiens à prévenir que c'est un jeu qui est assez gore. Donc s'il y a des âmes sensibles, s'abstenir, je vous retrouve après la cinématique. As-tu regardé? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium... Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. Impressionnant. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher ? Avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures, c'est... Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Bordel! Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique! Vous êtes malade? Annulez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Tout le monde va bien? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous okay. Retarder. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Parfait.
On a encore du travail. Tous au boulot. Voilà, donc on est en plein merdier, si vous avez bien compris. Notre vaisseau vient de s'écraser, donc c'était un petit peu prévisible. Hein. Donc là, on va être livré à nous-mêmes sur une grosse station spatiale qui, a priori, a des soucis. Alors, le premier épisode, c'est un très très long didacticiel, mais rassurez-vous, c'est pas chiant du tout, ça a été super bien fait. Vous allez voir. Alors bon, bah là on va fouiller un peu partout pour essayer de récupérer un maximum de ressources, parce que là le jeu, je le fais en difficile, et il faut le faire en difficile parce que ça ajoute beaucoup de tension, dans la mesure où vous êtes vraiment limité en... Alors au début moyennement, mais dès le chapitre 2 ça commence vraiment à se sentir, mais même dans le chapitre 1 vous êtes vraiment limité en vie et en munitions, donc ça ajoute vraiment du danger, et on est en permanence sur le qui-vive. Et là, comme on peut voir, les mecs de chez Visceral Game savent modéliser un cul, il n'y a pas de souci. Non, sans déconner, je sais pas s'il y avait un modèle qui a été pris, mais en tout cas, les gars s'y connaissent. Pardonnez-moi cet aparté. Donc oui, je disais, il faut vraiment fouiller partout et essayer de louper aucune ressource, parce que ça peut coûter cher très rapidement. Alors, moi j'avais adoré ce jeu parce que je suis un grand fan d'Alien, et au niveau de l'ambiance générale du jeu, on est vraiment très très proche d'Alien le 8ème passager, le premier Alien de Ridley Scott. Alors là, il y a des trucs, on va essayer de pas les louper. Et pour le scénario, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pareil, je sais pas si c'est une vue de mon esprit, mais ça reprend un petit peu le scénario de Aliens le Retour de James Cameron, où en fait une équipe de Marines va à la rescousse d'une colonie dont ils n'ont plus de nouvelles. Donc je pense que c'est volontaire, bien sûr. Et au niveau ambiance également, il y a un autre film à mon avis qui a inspiré les développeurs. Je sais pas si vous connaissez, c'est Event Horizon, dans le nom du réalisateur m'échappe. Alors là, visiblement, il n'y a plus rien. Mais de toute façon, on est obligé un peu d'attendre les directives pour bouger. Parce que sans que le jeu... Bon, il est évidemment très scripté, mais c'est très bien fait. Et là, voilà, il fallait que j'attende qu'on me demande d'accéder au nouvel objectif. Alors, les vidéos, je vais essayer de les faire pas trop longues, donc on va essayer de tourner aux alentours de 20, peut-être pas 20 minutes pile poil, mais un petit peu plus, un petit peu moins. Je vais essayer de faire des coupures où c'est le moins gênant. Voilà, donc là. Alors, évidemment, ça a commencé à craindre un peu. Ça sent pas bon là, ça sent pas bon. Alors. Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Oh oui, oh, ça pue. Oh lui il est mal, oh lui il est mal lui. Oh c'est. Bon, va falloir se casser vite fait. Parce que la porte est verrouillée là-bas, tout à l'heure on a vu. Donc vite, où est-ce qu'il faut aller? Allez, cours, 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 Forest, cours, cours, cours plus vite, putain, cours! Allez, 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 dégage, 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 allez, fonce. Oui, oui, bah oui, j'ai cours, oui, il court, Isaac, t'inquiète, t'inquiète. Il court, allez, 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 ouvre-toi, toute connasse. Ouvre, 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 rentre, rentre. Allez, ferme de dehors, voilà. C'est bon, c'est fait. Bon, là, de toute façon, oh putain! Ah la saloperie, dégage, dégage. Ah parce qu'on n'a pas d'armes là pour l'instant, on a que dalle, donc ça commence bien. Non mais ça commence très bien, vous allez voir, ça c'est comme ça tout le temps. Quand on croit que tout va bien, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Donc là, on a un petit peu de répit normalement. Là, on devrait de mémoire se dégoter une arme. Parce qu'il y a vachement longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors voilà, c'est là où on récupère notre cutter.
Et donc en fait, le but du jeu, c'est de démembrer les monstres. Parce que leur tirer dessus, ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut leur couper les bras, la tête, les jambes, tout. Enfin bon, je vous ai prévenu, hein, c'est crade. Et surtout, comme on est en mode difficile, récupérer un max de ressources. Ça, normalement, on peut les ouvrir, mais je sais plus comment. Ça, faut les péter. Voilà. Ouais, ça, faut tirer dessus. Oh, putain. Oh, saloperie, dégage, 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 putain, dégage. Allez, crève, 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 crève. Putain. Ah, putain. Plus tard, on aura un truc qui est sympa, c'est la stase, ça nous permettra de les paralyser, enfin, de les ralentir, parce qu'ils sont vifs, ces connards, hein. Il faut faire vite. Et quelque chose aussi qui est vraiment, vous l'avez sûrement remarqué depuis tout à l'heure, qui est vraiment, qui ajoute au stress, c'est que notre personnage se déplace vraiment très lentement. Les mouvements sont très... ça répond pas... c'est volontaire en fait, hein, c'est pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est sa combinaison en fait qui le gêne énormément. Puis on se déplace pas dans l'espace comme on se déplace sur Terre normalement. Donc là par ici on va fouiller partout, c'était quoi cette merde. On va fouiller partout pour récupérer des trucs. Donc là... Voilà. Oui, alors ce qui est génial aussi, ça me fait penser en voyant les didacticiels, là, c'est en dehors de mon logo magnifique qui est en haut et qui d'ailleurs je m'aperçois est mal placé, j'essaierai de corriger dans la vidéo suivante. Ouais, ce qui est génial, c'est que vous voyez, l'écran est vraiment nickel, on n'a pas du tout d'affichage qui nous gêne, hein, parce que tout est sur la combinaison, et ça à l'époque c'était vachement révolutionnaire. C'est-à-dire que la barre que vous voyez fluorescente dans le dos de la combinaison, c'est notre vie. Je peux pas croire que t'es ici. Isaac. Là, c'est une petite cinématique, je vous laisse la regarder. On a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien? D'autres quoi? C'était quoi ces choses? L'équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous, Hammond, vous allez tous nous faire tuer. Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé. Mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais vous, oui. Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram et on cherchera Nicole. Voilà, donc en fait, ce qui est vachement bien aussi, c'est au-delà du fait que l'affichage soit nickel, c'est que tous les affichages là qu'on peut voir, les cinématiques s'affichent dans une petite merde, je me suis gouré. Les petites cinématiques s'affichent sur un petit écran directement devant nous, ce qui fait qu'en fait, on est toujours immergé dans le jeu, quoi. On n'est pas détaché, c'est-à-dire d'un seul coup, on n'a pas une coupure avec une cinématique. Qui nous enlève quelques minutes, quelques secondes du jeu, et puis qui nous remet dedans après, etc. Ça permet d'être toujours dans le jeu, et c'était vachement bien foutu, je trouve, pour qu'on soit en permanence dans l'ambiance du jeu. Alors on regarde à droite à gauche s'il n'y a rien qui traîne. Donc comme il dit qu'il faut aller par là, on va aller de l'autre côté. Parce que si on emprunte le chemin qui est demandé, et ben on peut pas revenir en arrière parfois et on loupe des trucs, ce qui serait dommage. Ah, de putain dommage, ça va pas. Oh, putain, c'est pas rechargé, putain, merde. Ah, dégage, ça va être chaud, dégage. Ah, puis c'est pas facile de viser. Ah, je vais me rhabituer, mais allez, crève, putain, crève. Putain, pourtant c'est les plus faciles, ceux-là. Je vous laisse imaginer par la suite. Allez, pour être sûr, un petit coup de latte. Alors, là, on va récupérer, on va faire une sauvegarde. Parce que vaut mieux sauvegarder le plus souvent possible. C'est... Voilà, c'est fait comme ça. Ça évitera de repartir du début et de vous faire perdre du temps au cas où, en espérant qu'on n'aura pas besoin de ça. Donc ouais, il faut récupérer tout ce qu'on peut.
ingénieurs du trap. Et... on a peut-être une solution pour les tuer. Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Découpez-les comme vous le pouvez. Ouais, mais ça je l'aurais déjà dit, pourquoi tu répètes? Ouais, ce qui est bien en plus, c'est les petits messages comme ça. Alors, il y a, c'est quoi cette merde? Il y a des trucs, il y a des petits dossiers à lire, etc. Mais moi c'est pareil en général dans les jeux, à moins vraiment que le jeu me passionne. Attention, les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres. Ouais, bah on avait compris, faut les démembrer quoi. Donc, c'est quoi ça encore? Conserver assez de munitions pour démembrer vos ennemis. Putain, mais oui, on va les démembrer, vous inquiétez pas, les mecs, ils insistent, tu sais. Alors, donc, bah, du coup, je sais plus où j'en étais. Ça va me revenir. Ça va me revenir, mais ils m'ont tout coupé, là. En plus, ils suivent pas, parce que je vous l'avais déjà dit, tout ça. Alors, là, eux, ils ont pas eu de bol sur ce coup-là. Ils se sont fait découper par le truc. Et voilà, on va récupérer... un module de stase et vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va nous permettre de passer quelques petites énigmes, pas des grosses énigmes hein, mais des petites choses dans ce genre là si j'arrive à le faire fonctionner. Allez, hop, voilà. Donc en fait voilà, ça ralentit le temps soit sur un objet, soit sur un être organique, et ça ralentit le temps et ça nous laisse un petit peu de... On va peut-être pas sauvegarder tout de suite, si, non. Non, on va fouiller un peu. Et alors là, il y a une coupure de courant, je n'aime pas ça, j'ai presque plus de stase, je suis en rouge, puisque ce qu'on voit en rouge, là, le petit indicateur, c'est la stase. Et l'indication de munitions, vous avez vu, c'est sur les armes aussi. Ça a vraiment bien été fait, comme je vous disais tout à l'heure, pour comme on n'a pas d'affichage du tout à l'écran, ça a bien été pensé système. Il y a du bruit là-dedans, j'aime pas ça non plus. Ça pue. Non, ouais, ça pue en même temps, c'est les toilettes, c'est normal. Non, mais c'est au niveau des dangers, je parlais. Hop, ouais, ça c'est bon. Voilà. Alors, il y a eu je pense que vous connaissez de toute façon Dead Space, qui n'a pas entendu parler de Dead Space, il y a eu un 2 et un 3, mais je suis pas convaincu au départ qu'il devait y en avoir, qu'il devait y avoir une suite, parce qu'à la limite celui-ci se suffit presque à lui-même, et l'orientation des deux autres est vraiment différente, un peu comme si... on va quand même faire une sauvegarde finalement. Un peu comme si ils avaient été surpris par le succès du jeu et qu'ils n'avaient pas prévu dans quelle orientation prendre, parce que le deuxième, l'aspect survival horror, disparaît pas complètement, mais on est vraiment plus orienté action. Ouais, ça faut qu'on récupère, c'est très important. Ça va nous permettre de faire évoluer notre matériel au fur et à mesure. Et donc ouais, le 2 était moyen, il était pas pourri, mais il était moyen. Par contre le 3 c'est devenu n'importe quoi, c'est limite un TPS, tout ce qui est plus basique. Ah putain, voilà, là on est plus tranquille avec la stase. Je vise à peu près correctement. Faut vraiment se réhabituer au gameplay, parce que la lenteur et le temps de réponse est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de jouer dernièrement. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et... ah putain, je l'avais pas vu, ce connard. Allez, dégage, crève. Voilà, ça c'est bon. Puis c'est marrant parce que quand on les quand ils sont encore sous l'effet de la stase, quand on les latte, hein, les petits bouts ils volent un petit peu, c'est marrant. Alors là on va récupérer de la stase, comme ça on fait le plein au cas où, sait-on jamais. C'est quasiment sûr que ça va resservir de toute façon. Alors voilà, ne serait-ce que pour ça. Et on se dépêche pour activer, voilà. Remplacement de rames en cours. Patientez. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de patienter.
Beau travail. Cette trame a bloqué tout le système. Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle des commandes. Fais au plus vite. J'entends quelque chose gratter dans le coin. Ah, c'est dommage que je sois déjà avec une nana et que je sois venu à son secours, parce que l'autre elle est pas mal, putain. Hop, voilà. Allez, hop. Ah, c'est un peu crade quand même. Bon alors, qu'est-ce qui se passe encore? C'est bon, on est tranquille, il n'y a plus rien. Ça fout un peu le... pas les pétoches, parce que bon, attends, on est des hommes, on est viril, faut pas déconner. Mais ça s'inquiète un peu quand même. Hein. Les petits bruits qu'on entend, l'ambiance sonore aussi est vraiment... Putain, c'est quoi ça? L'ambiance sonore est vraiment énorme aussi, ça te fait toujours... ça te fout toujours un doute sur le danger imminent ou pas. Bon là on va retourner donc, voilà, 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 on est mal, on a plus de stase. Non, on va se tirer, on va pouvoir les éviter. Allez, ouvre-toi, dégage, allez. Hop, ils m'ont pas suivi. D'accord. Bon, toi, prends ça dans ta gueule, t'as qu'à pas être là. Alors, le disque dur. À la maintenance. Donc, on est passé par ici tout à l'heure. Là, c'est de là qu'on vient, si je dis pas de conneries. La trame de contrôle. Chargement. Ouais, bah, c'est où j'ai été tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure il me demandait d'aller à droite et maintenant faut aller derrière, faut aller à gauche, voilà c'est ça. Ouais, c'est là où il y a l'autre qui nous a bondi dessus tout à l'heure. Normalement on doit même y avoir un truc de sauvegarde, voilà. On va en profiter. Et c'est difficile de s'orienter aussi là-dedans, enfin de s'orienter. Je pourrais utiliser la carte, c'est vrai, mais honnêtement, c'est le seul truc que je trouve mal foutu, la carte, dans ce jeu. Alors, on va se prendre un petit ascenseur, il n'y a rien, pas de danger, tu sais, le mec est complètement parano, le mec a l'ascenseur, il est ouvert et tout, mais bon, on sait jamais, tu sais. C'est Kendra, la porte de l'entrepôt a l'air verrouillée, il doit y avoir une clé à la maintenance. Ok, bah de toute façon ça tombe bien, la maintenance c'est là que j'allais, donc... Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Oula. Oh. Il va pas crever ce connard. Allez, crève. Putain, allez. Oula, il y en a un autre. Putain, mon dos. Putain. Allez, dégage. Crève, toi, crève aussi. Allez. Bouge pas. Ah, voilà, c'est bon, c'est bien. T'es un gentil connard. T'es un gentil monstre. C'est bien. Allez, franchement, ta gueule. Voilà, ça, c'est bon pour être sûr. Un dernier. Voilà. T'as mangé. Putain, saloperie. Il y en avait un derrière. Putain, le bâtard, je l'ai pas entendu rien du tout. Heureusement que j'ai vu ses pattes. Sinon, je me faisais embrocher comme une grosse merde. Ah, je suis encore tout chose. Bon, allez. Allons-y. Alors. Donc là, c'est là qu'il faut la clé. Donc, faut qu'on trouve la clé. Ça, ça a l'air d'être un truc explosif. Ça peut servir. Alors. Ça bouge là-haut. Il y a un truc là-haut. Derrière, y a rien. Oh, tiens, attends, bouge pas, tiens, prends ça dans ta gueule, regarde, mange, approche, mange. Voilà, je savais que ça pouvait servir. Alors, ça bouge encore, ouais. Oh, putain, la gueule qu'il a, lui, Ah non, il y en a un autre. Putain, ah putain, puis il y en a un autre qui arrive aussi à gauche, non? Allez, crève. Tire-toi, dégage.
Non, ça va. Toi, t'es mort. Je croyais qu'il y en avait un autre. Non, mais il n'y en avait pas d'autre. C'était un bout de la patte de l'autre là qui avait bougé. Putain, faut que je fasse gaffe aux munitions parce que j'utilise trop de munitions à chaque fois pour les buter. Hein. Lui, il va pas se relever, lui. Non. Ça, dans ta gueule, on sait jamais. Truc à récupérer là-bas. Ouais, faut vraiment rien louper parce que sinon c'est quoi, c'est de la vie, c'est bien de la vie, ça c'est bon, c'est de la vie aussi, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop, on va en recharger avec les petites parce que comme ça, ça va libérer un peu l'inventaire, et l'inventaire au début il n'est pas énorme, donc comme ça, ça fait de la place. Voilà, bah, ça fait déjà 25 minutes passées, on va se laisser ici, je vous retrouve tout de suite pour la suite de cet épisode 1. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo, n'hésitez pas, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, à tout de suite.